had a fantastic discussion with fashion designers, really highlighting some of the challenges they face in terms of the enforcement of intellectual property, but also with awareness amongst designers and consumers about copying. And another big recommendation that the panel felt strongly about was increasing education in intellectual property. And it was very important to see how the impact of IP on the African fashion design, how it could have important long-term potential. This continent is full of creativity. We do not lack it at all. What we need is for our government to assist us to grow our talents and also to create awareness. Je crois à cette conférence et je crois aussi à l'Afrique. Je suis ici parce que je crois que le domaine de la protection intellectuelle par rapport à la création est très important. Je crois que les opérateurs que nous sommes, culturels et artistiques, n'ont pas souvent la vision ou l'appui de nos autorités politiques. Je crois qu'on doit absolument se donner la main pour que nous soyons protégés, pour que ce domaine d'activité qui est la mode soit encore compris et aujourd'hui être au niveau national et international, reconnu mondialement et créateur d'emplois, mais surtout lutter contre la pauvreté. L'image est qu'aujourd'hui, l'Afrique a une très bonne image au niveau de la création. C'est le continent d'avenir, c'est le continent porteur de grands projets, mais dans le domaine de la culture et de la mode aussi, il peut faire beaucoup. C'est pour ça que je crois que les organisateurs ont une vision incroyable, mais il faut qu'ils s'entourent des politiciens africains et des gros financiers pour qu'on mette l'accent sur nous, pour essayer de mettre la mode africaine, la création d'emplois, l'industrie de la création au devant de la scène pour qu'on puisse tirer profit, gagner aussi de l'argent et gagner aussi la création d'emplois. Power of IP in design. If you want to design, you have to think design before. And when you design, you have to protect your design. You have to protect your brands. It's the heart of the strategy of the enterprises. I defend African design. I'm the president and founder of Africa Design Award and Africa Design Days because we are here to promote together what's happening in Africa and outside Africa. L'Afrique est encore vierge. J'ai toujours dit que l'Europe est saturée. Et la créativité est ici. Dans le traditionnel, on puise sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Et que les gens, tôt ou tard, vont se retourner vers l'Afrique. Et c'est sur le chemin, d'ailleurs. Je le vois venir. Et on doit être là. L'avenir, c'est l'Afrique.